Ah bah c'est bon normalement. Normalement, le son du jeu était bon. Non, même pas. Il n'y a aucun qui était bon. Ok, désolé les enfants, on a eu une petite le son n'a pas marché au début. Merci de vous être arrêté. De rien. Un souci? Il y a un problème plus loin. Un grave accident. On a dû fermer la route. Ça va. Tout le trafic est dévié vers Little Hope. Il est bizarre le flic, est-ce hein. Est-ce que ça va? Vous avez l'air un peu perdu. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Prenez la route est. Vous traversez Little Hope. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Arrêtez de voir ce truc, il va se désintégrer. Vous êtes sobre depuis combien de temps? Un petit peu moins de 3 mois. C'est bien. Il paraît que les premiers mois sont les plus durs et risqués. Je sais que c'est ridicule, mais ça m'aide énormément de m'accrocher à ce jeu. Hey, c'est pas par là? Ça va, c'est juste un crochet. Non, ça ne va pas. Du calme, tout ira bien. Pitié, John, vous pouvez arrêter de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. Bordel, je m'attendais pas à voir quelque chose. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Ça, c'était évident que ça allait se passer comme ça. Salut Loulblood, ça va? J'ai peur. Ah bah là, tu peux avoir un peu peur. Salut Lob. Arrête James! Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu me prends pas au sérieux. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste ouais, que ça j'ai va, passé ça va. Une sale journée. Ça t'étonne qu'ils se disputent encore? Pas moi. Ça va pas, j'ai peur. Tu as bu, comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues, c'est tout. Mais bien sûr, je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job. À l'usine. Ça fait des années que tu dis ça. Je m'inquiète plutôt pour Megan. Qu'est-ce qu'elle a, Megan? Je vois pas où est le problème. Après 10 bières, on ne voit plus les problèmes. Le révérend Carson l'a encore gardée après la prière. C'est la 4e fois. Elle va mal, c'est sérieux, James. Tu t'inquiètes pour rien avec cette gosse. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps? Tu te fais une montagne de 3 fois rien. T'es en train de te rendre malade sans raison. 3 fois rien? M'occuper seule de tous les problèmes de la famille, la j'appelle famille. Pas ça 3 fois rien, moi. Un coup de main ferait pas de peut-être mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu vois pas à quel point t'es c'est dur pour la moi. T'es pas la seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse. Pas maintenant. Nom de Dieu. Eh bah, Anne. Voyons. Anne fait plus vieille que le monsieur, quand même. Pas ce soir. C'est bon. Qu'elle doit gérer beaucoup de choses et tout, tu sais, ça... Et sa vie, il prévoit vraiment les problèmes. Tania traîne. Comme souvent en ce moment. Elle a toujours été en retard. Non, c'est pas vrai. Seulement depuis qu'elle sort avec lui. Ce type a rien oh à faire. Oh my god, t'es noir. Toutes ces conneries de New Age. On dirait une espèce de secte. Il est venu l'autre jour.
Bah t'es Anthony. On a discuté 5 minutes. T'es noir? Non, non, non. Il est cool. Bah t'es foncé pas mal, oui. Ça c'est un classique. Un disque légendaire. Hé, hey, arrête un peu de le tripoter. Hé, hey, Bigfoot, tu vas bousiller mon vinyle, fais gaffe. Allez, arrête de te comporter comme un abruti et fous-lui la paix. Ok, le bon samaritain. Mais je comprends pas pourquoi tu prends sa défense. Si personne répare cette porte, la prochaine fois, je passe par la fenêtre. Ça va? Moi, je suis là, je suis le mec, moi. Me dis rien. Il a encore picolé. T'es pas le mec dans la voiture? Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. Ah, ok. Ah, ok. À propos de quoi, cette fois? Il a failli s'étaler dans l'entrée. Quel bel exemple, hein? Ils se prennent la tête tout le temps. Ça devient une rengaine, comme un disque qui passe en boucle encore et encore. Dennis, pour la 36e fois, tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier. Hey, un peu de respect. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Elle a dû être militaire dans une autre vie. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est Dennis dans toute sa splendeur. Fidèle à lui-même. Comme d'habitude. Dennis, il va se faire violer, les enfants, on va rien comprendre. Hé, hey, Dennis! C'est notre petit frère. Grand frère. Notre frère. Hé! Hey pas oh, maintenant, j'ai pas le temps. Toi. Arrête de faire la folle. Oh. Oh. Nom de Dieu. Seigneur, tu m'as fait peur. Elle est pas mon bien ange. Celle-là. Hein. Ah, je vous ai bien, entendu hein. Parler de moi. Pas maintenant, Megan. J'aimerais prendre un bain tranquillement et oublier un instant tous ces problèmes. Megan, je la sens pas. Megan, c'est pile mon âge, mais non. Je la sens pas. Elle a quelque chose en plus. Elle est maléfique. Ah. Tu devrais peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée que je me mêle de ça. Tu me connais, je ferais qu'aggraver les choses. Ça avait l'air plus grave que leur connerie habituelle. Ils étaient en train de parler de Megan. Elle a fait un truc grave. Megan est une gamine difficile qui cause tout le temps des problèmes. Papa et maman sont déjà au courant. Ok, mais Megan les a entendus parler d'elle. Ça semblait vraiment la perturber. Perturbée, c'est un état permanent chez elle. Où est notre petite princesse d'ailleurs? Vaut mieux laisser Megan tranquille. En tant que grande sœur, c'est ma responsabilité d'aller lui parler. Ouais, c'est ça. Comme si t'étais responsable. Elle est à l'étage. Je vais la voir. Astel va se faire violer aussi à son tour. Je pensais qu'il y avait quelque chose, mais en fait non. Started to go down.
right back to Brian Watson. He pulls and is blocked by Green on a big play, and out comes Boston. Here's a lead pass, Edison in alone. He drives, and Robert saves. Coming up 15 feet to break it up. Beach, check the limit. Ça va, on est bien. Fights for in the corner. Centers it. Stop by Rollford. Right around the boards, control. Tu devrais surveiller ta petite sœur de près. Maman s'inquiète beaucoup pour elle. Ah, qui on se déplace pas avec WASD, on clique où on veut aller. J'avais pas compris. Y a pas de quoi s'en faire. Elle vit dans une famille parfaitement équilibrée. J'aimerais bien devoir élever une famille pareille. Même le diable aurait du mal à s'en sortir avec vous. Ouf, parle pas du diable, gros. Ah d'accord, ok. Je préfère qu'on se déplace. Ouais, c'est ça, c'est justement ce que je viens de te dire, tu sais, on peut pas... Voilà. Mes yeux, les petits enfants. Non, je vais passer par là. Voilà, je vais monter. Hé, hey, Tania! T'es là-haut? Et Megan, ça va? Je sais pas, je l'ai pas encore vue. Fermez-la un peu. J'aimerais bien dormir, moi. T'es content de toi? T'as réveillé l'ogre. Laisse-le. Trouve Megan. Ça va, je m'en occupe. Ouais, ta gueule un peu, c'est... S'il vous plaît, arrêtez de gueuler pendant quelques minutes. Je voudrais bien avoir un peu de calme. Ouais, ok. Je dirai plus un mot. C'est déjà assez compliqué sans que tu t'y mettes. C'était quoi tout ce boucan au juste? Je voulais juste savoir comment allaient les filles. Elles m'ont entendu. Bah bon courage. Megan n'est pas facile. On va aller elle voir. Est pas bien, elle parle avec une poupée, Megan. Ça va pas. Elle est étrange. Donc Casté en fait joue le personnage 2, moi je joue le personnage. Donc bah 1, enfin on va dire. Le mec elle joue la fille, Julien. Ok, on peut pas aller les retrouver, donc c'est pas pour tout de suite. Le plan est droit. Allez, go. Elle est en train de parler avec sa poupée en fait. Ah, il y a un oiseau qui vient de s'écraser dans ma fenêtre. T'es la chef? Ah ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Procès de sorcière de la Nouvelle-Angleterre. Non, c'est marqué Little Hope Museum, 7,99$. Ah bah putain, c'est cher. C'est cher, c'est très cher. Ok. Allez, par ici. Elle m'a enfermé dehors, la pétasse. Viens me chercher. Ah non, mais c'est pas RP, je peux pas le savoir. Anthony. Bah oui, en fait, je suis en train de te crier, tu viens de me chercher. Anthony, c'est pas vrai, t'es où? Anthony, ça me fait vraiment pas rire. Anthony, je te jure que tu ne réponds pas. T'as raison à propos de ma famille. Oh. Je le pense aussi. Wow, 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 c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Cette petite peste m'a enfermée. Oui, je l'ai vu. Je suis en train de geler, moi. Je viens t'ouvrir, doucement avec Megan. J'arrive. Oh merde. Merde. Megan. Ouvre-moi. La cuisine est en feu! C'est pas vrai, tu déconnes! Oh. C'est pas du gros. Megan? On n'aura pas la cuisine. Ah bah la femme, heureusement qu'elle n'était pas dans la cuisine. Hein. Maman? Vous êtes tous passés! Anthony!
Elle saute, saute. Je voudrais bien, je peux pas. Alors, ferme la maman. Allez! Anthony! Hé! Là-haut! Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? J'étais coincé dans le grenier! Essaie par le balcon! Anthony, à l'aide! Je suis sûr que le toit va s'effondrer. Ouais, les jeux de merde. Wesh, caca. Je suis un bâtard. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Et je t'ai aidé toi au lieu d'aider la gamine. Tu m'as même pas aidé. Oh ouais, t'es un bâtard. Regarde. Attrape la gouttière et essaie de descendre. Dépêche-toi, c'était la gouttière. Non, t'as pris la fenêtre, mais t'es vraiment une conne. Mais c'est pas possible. Mais il faut aller l'aider, Megan. Mais t'es nul, elle est morte, Megan. Elle est pas morte. Et toi, la grosse aide qu'elle te donne, c'est prendre la gouttière. C'est ça ton aide. C'est pas la peine, tu vas crever. Bon, ben déjà. Bah, c'est plus un gameplay très intéressant, le jeu était génial. T'es nul, t'es nul. La gamine elle est maléfique et tu peux aller l'aider, tu sais. Oh! The fuck. Et toi t'avais le choix entre quoi et quoi? Non non, y'a non, même pas de survivants, tous morts. Well, what is this that I can't see?
Bonjour. Et enchanté. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je me trompe? Peu importe. Bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur. Le gardien de toutes ces merveilleuses histoires. Merveilleuse, je suis pas sûr, en gros. Un récit très spécial à vous faire narrer. C'est bon, tu meurs en silence ou ça se passe comment? Désolé. Je suis taquine. Déconcertant, non? Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'histoire qui nous intéresse n'est pas définitive. C'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. L'incendie? Non, vous ne pouviez rien faire pour éviter cela. Ce qui est fait, fait. À moins que... Enfin bon, tournons-nous plutôt vers l'avenir. La vie n'est qu'un fantôme errant. Parce que j'ai pas compris, c'est pourquoi il est re-entré dedans. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble, tout le monde devait mourir de toute façon. Le plus dérangeant des mondes. L'aspect dérangeant dépendra de ce que vous choisirez de croire. Et l'aspect trouble du chemin que vous voudrez suivre. Et l'autre, elle est rentrée, aider, tu sais, le... Il existe un nombre infini de directions dans lesquelles on peut voyager. Nous disposons rarement des indices nécessaires, mais nous devons néanmoins choisir une voie. Désolé, je peux pas exprès. La clarté ben, et le résultat oui, non, que nous voulons. Mais elle est maléfique, toi, tu vas aller l'aider. Voyez-vous, je m'explique. Vous allez déterminer l'issue de ce récit ensemble. Et t'as pas vu la longue derrière elle affectera souvent l'autre. Après, oui. Donc, bien que vous soyez deux personnes, vous compléterez cette histoire comme une seule. Je me fais bien comprendre? Oui, oui. Comme dans la vie, chacun de vos actes comptera. Ils détermineront le dénouement du récit. Vous ne pouvez plus rien faire pour changer le début, mais vous pouvez poursuivre votre périple et influer sur la fin. Vous avez vu le début de l'histoire. Tous ces morts. Combien d'autres suivront repose entièrement sur vous. Tout dépend des décisions que vous prendrez. Que serez-vous? Pragmatique? Sensible? Plutôt la raison? Je dirais pas, c'est peut-être les allumettes qui l'ont, je sais pas, il y a un truc avec les allumettes. Il n'y a pas de bonne réponse. Parfois, l'un vaut mieux, d'autres fois, c'est l'inverse. Ça, c'est que tout mon conseil, tu avais les allumettes dans ta main, puis l'autre, il a dit qu'est-ce que t'as fait, donc les gens vont penser que c'est loyal toi. Sois loyal aussi, ouais. Toi-même. Mais, je ne suis ici que pour consigner ce que vous faites, pas pour vous aider. Il a peut-être eu peur que, ouais, qu'on l'accuse du meurtre. Je ne suis pas censé intervenir, hélas. Pas mon rôle, semble-t-il. Mais je suis, semble-t-il, autorisé à partager la sagesse de grands conteurs d'histoire maintenant disparus, si toutefois je l'estime nécessaire. Oh, une dernière chose avant que vous ne partiez. C'est peut-être plus possible, ouais. Vous pourriez trouver dans Little Hope des images qui vous donneront un aperçu d'un futur possible, une chose qui peut éventuellement se produire. Servez-vous-en. Elles peuvent vous aider. On vous attend un entraînement. Allez-y, amusez-vous. Je sais apprécier un bel entraînement. Eh ben, on va encore faire une bonne nuit de sommeil, nous, hein. Il est pas bien, lui, hein. Bof. On vous attend un enterrement, mais il est un peu pervers, quoi, c'est tout. Des enfants, des autobus, des gens pervers, quoi. Ouais, non, mais... Après, des enfants, c'est bien. Alors, l'enterrement. Nul parmi nous ici ne saurait dire pourquoi ce tragique accident s'est produit. Mais réjouissons-nous de savoir que toute la famille est réunie pour l'éternité dans la douce lumière de Dieu. J'espère qu'il y a vraiment une lumière de Dieu, parce que sinon tous les mecs qui ont dit ça à l'enterrement...
Alors du coup, le truc, il en est où? Pas celui qu'on... Il ressemble beaucoup à celui qui... qu'on vient de jouer là. Et à mon avis, elle c'est. Tanya, tu vois, Taylor, tu vois. 22 ans, étudiant. Et lui, on dirait le père. Mais c'est pas possible, gros, tu te fous de ma gueule. Où est passé Daniel? C'est trop posté? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont ressuscité, Jean. C'est toi, Daniel. Au lieu de faire l'imbécile, tu viens me donner un coup de main? Il va bien? Il est blessé? Ça n'a pas l'air trop grave. Juste une commotion. Ok, professeur. Ou je dois vous appeler docteur? Si t'essayais d'appeler les secours. Ou la police, ils nous aideraient. Waouh, ça j'y aurais jamais pensé. Appelez les secours, merci professeur. Heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai fait sarcasme, tu sais. Hein. Hey, Andrew, mon gars, comment ça va? Étudiante dans le mur. Qu'est-ce qui se passe? Un accident. Mais il n'y a pas de blessés, on est un peu sonnés, c'est tout. Je veux bien vous croire. Je me souviens pas d'un accident. Tu dois être sous le choc. Tu as peut-être une légère commotion. Laisse-toi un peu de temps. Alors lui, il me dit quelque chose, Daniel. Alors ça doit être l'autre gamin là, enfin tu sais. Merde, mon téléphone. Ok d'accord, ouais ils sont tombés de l'autre côté eux. Ça c'est la mère. Donc Angela, 48 ans. Femme d'âge mûr. Hey, y'a quelqu'un là-haut? Hey, Daniel, c'est toi? John. Ah, je m'inquiétais. Daniel? Taylor, ça va? Ça va. Nous aussi, merci de demander. Tout va bien en bas? Ça va, j'ai déjà connu pire. Hey, John, vous savez pourquoi on s'est crashé? Pas vraiment. Je crois que le chauffeur a fait un écart pour éviter quelque chose. Il est avec vous? Non, on l'a pas vu. Bizarre. Il n'est pas ici non plus. Vous pouvez monter nous rejoindre? La porte est raide. Il y a un chemin ici qu'on peut prendre. Bien. Alors suivez-le. Il doit rejoindre la route. On se retrouve en haut. Entendu. À tout de suite. Pour eux que c'est moi qui me retrouve avec la vieille. Hey, Taylor. Viens m'aider à relever Andrew, tu veux? Attendez, je me souviens de rien du tout. Qui êtes-vous? T'inquiète de rien. T'es sous le choc. Je suis John, ton professeur de fac. On était dans un bus pour une sortie, mais il y a eu un petit problème. L'accident était pas au programme. On va trouver de l'aide, tous ensemble. On va dire que c'est un bon exercice pour se forger le caractère. Allez, un petit effort. Et je dois faire quoi en fait? Ben voilà. Ok, d'accord. Super travail. Non, d'équipe. J'aime pas les vieilles. J'ai fait un rêve. Très réaliste. Il adore les vieilles. Les vieilles. Il y avait des flammes partout, ouais. C'était horrible. T'as dû te prendre un sacré coup sur la tête. Cette piste que suivent les autres devrait croiser la route. Allons les rejoindre. Ok. Faut qu'on réfléchisse. Pourquoi quitter le bus? C'est pas comme si on savait où aller. Non. On pourrait y passer la nuit. Notre seule chance, c'est de rejoindre les autres et de regagner la ville pour aller chercher de l'aide. Où est le chauffeur? Il aurait déjà dû revenir. Le chauffeur a fait la seule chose raisonnable, aller chercher de l'aide en ville. J'aime dire qu'il y a une classe de 3 enfants, tu sais. De 3 gamins, tu sais, à l'école. D'accord. Allez-y, non, je vous suis. 5, je crois. Eh ben,
4, plus vite on trouvera de l'aide, plus vite on rentrera chez nous. Restez bien avec moi. Ok. Petit doucement. Quel enfoiré, ce chauffeur. Il se barre comme ça et il nous laisse tomber. Il s'est peut-être pas rendu compte. Il doit être sous le choc. Il est responsable de nous, ses passagers. Attends, il peut pas filer comme ça. Quoi ça? Putain, hé, hey, oh, reviens derrière. Oh, il y a du sang. Ah, je rêve ou quoi? C'est quoi? On dirait que ça sort tout droit d'un film d'horreur. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai vu ces choses dans des livres. On dirait une poupée. Elles éloignent les mauvais esprits. La vache, c'est vraiment la nuit de toutes les horreurs. Il y a quelqu'un qui nous suit, nous. Mais... Il y a des gens qui te suivent, toi? Pas trop, non. Moi, oh, ouais. Professeur, attendez-moi. Et moi, tranche d'âge, je suis plus sur du 12-13 ans, quoi. Daniel et Angela ne devraient pas tarder. Il y a une chaîne qui ferme la grille. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Salut les copains. Content de vous revoir. Enfin. Est-ce que tout va bien ? Ouais. On a fait un petit tour. Ce qui est sûr, c'est que vous avez pris votre temps. J'étais inquiète. Mais oui, c'est ça. La grille est fermée. Il y a une chaîne. Fouillez un peu. Essayez de trouver quelque chose pour la forcer. Ah, moi, je refuse de fouiller. Je reste ici. C'est bon? Je vais pousser de mon côté. Vas-y. 3, 2, 1, pousse! Oh! Plutôt solide pour une chaîne rouillée. On essaie encore une fois. Attends, faut faire quoi, attends? 1, pousse! Oh! Attends, laisse-moi essayer. Tu dois cliquer gauche souvent, mais tu le fais pas? Ouais. Et clique gauche rapidement 3, ou alors voilà? 2, oui! 1, hisse! Le plus souvent possible avant le temps de faire. Bah voilà. C'est toi qui bug. Vous pouvez appuyer. Ah, je suis une femme, j'ai pas de force, c'est pas de ma faute. Et voilà le travail. Nul. Ouais, je suis une femme. T'es que. Qu'est-ce qu'on va faire? Rejoindre la ville, essayer de trouver de l'aide. Mais vous savez où on est? Oui, tout près de Little Hope. C'est sympa comme nom, ça. Ça veut dire quoi, Little Hope? Eh bien, justement, Little Hope a une histoire aussi sombre qu'intéressante. Ça veut dire peu d'espoir, salut Starbucks. Oh, t'as vu, t'as... Oh ouais, t'as... T'as le logo, ouais, j'ai vu, ouais. Starbucks, t'es VIP, t'as vu, t'as le logo. Ok, monsieur le prof, laissez tomber le cours d'histoire. Il s'est passé des horreurs ici, il y a bien longtemps. Et vous mourrez d'envie de nous en parler. Tu commences à m'agacer avec ton attitude. Et vous n'avez encore rien vu, je peux vous montrer? J'ai peur, hein. Tu es ce qu'on appelle une peste, tu le sais? Oh, tu te calmes, Asté. C'est pas pour toi, Daniel. Non, c'est pas. En fait, non, c'est parce que t'as le surprise. Prime, pardon. Ouais, n'importe quoi. C'est pas mon petit ami. Qu'est-ce que tu lui as raconté? J'ai rien dit du tout. Occupez-vous de vos affaires, ok? Tu as raison, excuse-moi. Cette histoire ne me regarde pas. On est en train de perdre un temps précieux. Il faudrait vraiment qu'on avance. Tu trouves que c'est une bonne idée, toi? C'est The Dark Picture Anthology, c'est un jeu d'horreur. J'étais plutôt d'accord au début, mais maintenant j'hésite. Tu proposes quoi d'autre? Tu veux pas venir attendre au bus avec moi? Je suis d'accord avec le prof. Le mieux à faire, c'est d'aller en ville et chercher de l'aide. Non, mais moi je veux partir avec vous. Qu'est-ce en fait. Qu'est-ce que t'en penses? T'attends près du bus avec moi? Je pense que c'est en ville qu'on aura le plus de chance de trouver de l'aide. Super.
Allez, Taylor, nous laisse pas tomber. C'est pas une bonne idée d'errer toute seule dans le noir. Viens avec nous. Vous en faites pas pour moi, je chope la première voiture qui passe et je viens vous chercher vite fait. Oh bah non, mais moi je veux pas être... C'est une blague. Je veux pas être séparé du groupe. Et voilà, je viens de faire violer. Quoi? Mais je suis partie dans l'autre sens. Alors, on n'a plus envie de faire bande à part, finalement? Pourquoi t'es revenu? Je piche pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Elle est perdue dans son monde. Tu peux nous dire à quoi tu joues? Tu t'en vas ou pas? Hey oh, qu'est-ce que tu fabriques? Taylor! Fais gaffe! Mais qu'est-ce que tu fous? Tu reviens tout le temps. Je voulais pas revenir. J'ai tracé tout droit à chaque fois. C'est comme... Je sais pas, c'est comme si je pouvais pas partir. Ok, faisons un test. Allons-y tous ensemble. On est arrivé de ce côté, on devrait pouvoir repartir par là. J'aimerais que tout le monde reste bien groupé. Et on ne traîne pas. On se tient tous par la main, c'est ça? Oh, ta gueule, la vieille. Hein. D'accord, c'est bon, je vous suis. Elle a eu peur. C'était ton perso m'énerve, hein? Pourquoi? J'ai rien fait, moi. Décharge ton arme, Starboss. Et on est revenu dans le même sens? Je dois avouer que c'est assez étrange. C'est rien de le dire. C'est pas possible! C'est exactement ce que je vous disais, on est coincé! On peut pas partir! Ok, faut aller plus vite, Starboss. Calme-toi, respire. Il y a forcément une explication rationnelle. On est peut-être mort dans l'accident. Il faut qu'il installe les modes après. Ouais, belle théorie, mais je suis certain que nous sommes encore bien vivants. Aux dernières nouvelles, vous êtes prof de littérature, pas de métaphysique. Continuez, ça durera pas. Tout ça, c'est votre faute avec votre sortie à la con. On est coincé dans ce bled paumé. Arrête, tu dis n'importe quoi. Je ne pouvais pas prévoir cet accident de bus. Quoi, ça résonne. Tu vas pas me le reprocher. Non mais, vous vous foutez de nous? Change de ton, tu veux? J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Exactement comme toi et comme les autres. Je suis désolée. Je comprends pas ce qui nous arrive. C'est juste, je pige pas. C'est ce que tu disais, on nage en plein cauchemar. T'inquiète pas, on va s'en tirer. On trouvera une solution ensemble. Si quelqu'un pense pouvoir faire mieux que moi, je laisse ma place. C'est peut-être pas réel. Vas-y, baston général, moi je dis. Faut qu'on se tire d'ici, maintenant. J'ai besoin de réfléchir. J'aurais dû choisir le propre honneur. Vous pouvez pas tous la fermer. C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide, ou qu'on sortira d'ici. Il a raison. Nous en prendre les uns aux autres ne nous mènera nulle part. Nous devons travailler ensemble en équipe. Merci. Soyons méthodiques. La brume se trouve entre nous et le bus. Mais il n'y en a pas entre nous et la ville. Alors prenons cette direction. Je vois pas trop en quoi nous éloigner du bus va nous aider. Il n'y a rien du tout dans le bus qui puisse nous sortir d'affaire. En ville, il y aura des gens, un téléphone, quelque chose. Et tu peux pas y retourner dans ça le bus, connasse. Mais c'est vrai. Il n'y a nulle part où on puisse aller sauf dans cette fichue ville. C'est une bonne idée, je trouve. Tu me laisses toute seule? Où tu vas là? Taylor, on devrait les suivre. Tant qu'on n'en sait pas plus, faut qu'on reste ensemble. Bon les amis, du coup on va suivre tout le monde parce que voilà. Donc Casté, c'est la vieille là ici. Hein, c'est le cuplo. Pourquoi t'as dit qu'on était tous morts? Tu crois vraiment que c'est possible? J'ai vu à la télé que le cerveau pouvait fonctionner quelque temps après la... Tu sais... La mort. Non, laisse tomber. Le raisonnement était un peu bancal. Ok, c'était à gauche, je vois une habitation. On va aller voir. Tu passes devant. Traîne pas, Sté. Traîne pas, Sté. De quoi? J'ai vu un chat noir. Je suis où? Vous êtes où? On est devant. Merde. Toi. Vous avez vu ça? Il y a quelqu'un à l'intérieur. C'était quoi? Ah, Sté. Il n'est pas seul. Hé hey, par ici. T'étais passé où, la vieille, là? Pas sûr que ce soit une super idée. Il faut aller voir. On pourra peut-être téléphoner. Je vais entrer jeter un coup d'œil. Allez-y. On arrive tout de suite.
Ah non, mais non, mais moi je veux pas me retrouver tout seul avec le con. Pourquoi on va pas avec les autres? Je sais que tu me caches quelque chose. T'as dit que j'étais pas ton petit ami. Comme si c'était une idée ridicule. Oh, t'es sérieux là? Notre bus se crache, on se perd dans la brume et tu me prends la tête pour un titre bidon? Tu admets que petit ami, c'est pas un titre que tu me donnes. Je suis quoi alors, hein? C'est pas très important le titre, arrête. Alors qu'est-ce qu'on est au juste? Je sais pas encore ce qu'on est. Ça, c'est moi qui joue la meuf, tu sais. Je suis prête pour qu'on s'affiche publiquement. Mais ça va venir, c'est promis. Arrête. Je peux faire quelque chose pour te convaincre que je suis le bon? J'ai besoin de pouvoir vraiment compter sur toi à 100%. C'est Lou pour les logos. Je suis contente que ça plaise. On devrait rattraper les autres. Oui, c'est la suite du bateau, c'est ça. Vous comptez entrer? Ah ouais, tu crois? Ça se peut, ouais. Vous avez fini votre querelle d'amoureux, là? Ouais, ouais, ça va terminer au pieu, tout ça. C'est ça, c'est The Dark Future Anthology, Men of Medan, c'était... Et là, c'est ouais. The Dark Future Anthology, Little... Oh, oh putain, sa mère. C'est bon, là, j'en ai marre, là. Ça commence. Ah bah chef? Ça... Non. Pourquoi non? Qu'est-ce qu'il y a? On va se faire buter. Ouais. Bonsoir. Vous allez bien? Excusez-moi. Nous cherchons le chauffeur de notre bus. Hein? Vous l'avez vu? Ouais, très marrant. Pardon? Bon, pas si, tu nous aides pas trop. Qu'est-ce que là. C'est que toute cette brume? C'est bizarre. Ouais, une vraie purée de pois ce soir. Ouais, ça nous empêche de partir. Ouais, ouais, je connais ça aussi. On devrait fouiller un peu. Il y a bien un téléphone quelque part, non? Regarde un peu ça. Allez, on s'en fait une? Ouais, d'accord, on joue aux fléchettes alors. Tu veux jouer aux fléchettes? T'es sérieux? Fais un effort. 10 balles, que tu l'aimes. Prépare-toi à te soulager de ton fric. Je trouve que tu t'avances un peu. Franchement, je préfère la nana au début hein, avec les cheveux longs. Là, les cheveux courts, moi, c'est pop off. Commence par un tir facile. Et c'est. Un 20 tout simple. Oh, d'accord. Ouais. Ok, ça va. T'as eu de la chance. Tente un double 7. Au moins, j'ai pas de problème de vue. Bien visé. Mets la dernière dans le mille pour voir. Ok, t'as le niveau, je suis obligé de l'admettre. Truc de fou, hein. Coincé avec ces gens à cause de cette brume. Comment tu te sens avec tout ça? Je sais pas vraiment, on passe pas une bonne soirée, ça c'est sûr. Mais je me dis que ça pourrait être pire. Il faut rester en groupe, rester en groupe, rester, franchement, d'accord? Franchement, je trouve qu'il y en a certains dans le groupe qui se la ramènent un petit peu trop. Comment ça? Ils me prennent pour une idiote. Personne voulait me croire pour la brume et... Tiens, tout d'un coup, ils se perdent et c'est genre... Oh, Taylor avait peut-être raison au final. Moi, je sais que t'es pas une idiote. Au contraire. Merci, Daniel. Bah, lui, il a juste envie de te niquer, donc crois pas ce qu'il te dit, hein. C'est pas vrai, hein. Il est dans son monde à lui. Allez, on doit fouiller le bar. Un jeu de fléchettes. J'étais plutôt bon dans ma jeunesse. Oh, elle est difficile à battre. Elle a un vrai don. Restez, jouez un peu, pas de soucis. Je vais aller faire un petit tour. Mais pourquoi? Ok. Asté, qu'est-ce que t'as appris d'information du coup? Salut Kate! Bah, que c'est une ville fantôme, que le mec il reste parce que. Il sait partie, à peu près tout, il sert pas à grand chose en fait. On réfléchira à un moyen de s'échapper d'ici. Tenter de faire un gros double je ou. Mais les règles. Attends, je vais lui parler à Buena. Personnellement, je prendrais bien un petit verre.
Oh non, faut que je joue fléchette, t'es faut vraiment que je me calme sur l'alcool. Et je peux pas bouger la souris. Mais oh putain, j'ai un bug de souris. Je peux pas bouger la souris. Ah voilà. Ouais, là vous devriez lever le pied. Vas-y, Molo. Ok, je dois garder les idées claires, hein. On devrait le laisser. Quoi encore? Pas moyen d'être tranquille ici. Y'a de quoi appeler ici? Y'a forcément une ligne au bar. C'est coupé. Putain, je rêve. On va te trouver. Tout est mort dans ce trou. Ouais. Cool. Merci du coup de main. Ouais. Vous êtes bien aimable. C'est dommage, y'a pas de fléchette au JO. Asté, t'as appris quelque chose, là? Vous êtes un vrai tireur d'élite. Ah non, mais ça fait deux fois que je le mets dans le mail. On trouvera rien d'utile ici. Ah, je viens de parler. Pour une fois, je suis d'accord. Plus vite on quittera cet endroit paumé, mieux ce sera. Mais t'es toujours la vieille? Non, je suis le prof. Ah! Là, il faut fouiller le bar, puis vous continuez vers la ville, il faut fouiller le bar. Oui, le bar. Il y a des gens ici, je vais communiquer avec eux. Ça sert à rien, c'est des nôtres. Oh là là, mais c'est pas possible, hein. Bah, tu peux t'occuper de ton cul, s'il te plaît. Eh oh, tu te calmes, sinon je pars tout seul. Je suis en train d'examiner des choses. La vache. Putain. C'est quasiment un parchemin. Une nouvelle vague de saisies signe la fin de la ville. La mairie de Little Hope, les derniers habitants de la ville ont rencontré Cathy Flint, gestionnaire de crise, afin de voter la désincorporation, puis la fermeture de l'usine de textile. La ville a connu un énorme exode, ne comptant pas plus que quelques habitants et des caisses vides. Flint a été nommé gestionnaire de crise pour gérer les services publics auprès de ses derniers habitants, mais la dernière vague de saisie devrait entraîner leur départ, laissant la ville de Little Hope quasiment déserte. J'ai trouvé une photo de soldats qui partent en guerre. 16 juin 1917. Te calme. C'est quoi qu'il y avait comme sans impôts qui rentrent dans les caisses, nous n'avons pas d'autre choix que de procéder à la désincorporation, a déclaré Flint. C'est très triste, ces gens ont vu leur ville disparaître autour d'eux. La tentative pour... Et après, il n'y a plus rien. Voilà. Ok. J'ai des genres de coordonnées, je crois. Note-les. 81, 82, 80, ouais, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Tu les notes, je te dis. LSRT, astrologie. 6 juin 1917. Aux enfants. Oh, j'hallucine. Les soldats. Aux enfants s'intéressent à l'astrologie, aux esprits, aux fantômes. Le révérend Carson conseillera les parents. Attends. On aurait dit l'autre, là. Ok, bon, on n'avait pas trop grand chose, vas-y, moi je me casse. Salut, hein. A plus. On peut se tirer d'ici. Plus. On s'appelle, on se fait une bouffe. Quittons cet endroit et. C'est. C'est quoi ça? Ah, c'est le diable clairement qui vient en personne. Entendu quelque chose. Vous aussi, vous avez entendu? Sortons. Quoi que ce soit. Ça venait de dehors. Vous êtes sûr que vous voulez retourner dehors? On ne trouvera rien ici. Il faut qu'on avance. Bonne chance à vous. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Je suis sûr que lui, c'est le monsieur, l'ancien copain de l'autre. Tu te rappelles, Asté? Ouais. C'est le copain. Donc, enfin, ça, quand tu jouais la meuf, c'était son copain. Patate. Ça va. Il a vu tout le monde mourir et tout. Ouais, ça doit être super cool d'empêcher cette ville. Faut qu'on y aille en vacances la prochaine fois. Ouais, je crois. Sortir avec la raptor, les gars. Il vient de la ville. Elle est où, Cap? Allô, Cap? Il vient de fermer à clé, ce vieux taré? Trop bizarre, le papy. Il avait clairement un souci. Qui viendrait dans ce taudis juste pour se la coller? J'ai pas compris. Installer, t'es Angela. Moi, je suis Angela. On n'a pas d'autre choix que d'aller à Little Hope. Je n'en suis pas si sûre. Tu vois, t'es toujours la vieille, toi. Hein, c'est. Tu vois. Je joue à peu près n'importe qui, en fait. Va pas trop vite devant, là. C'est vous
Bah non, moi je suis derrière toi. Sérieux? Ah oui. Attends-moi. Alors, attends-moi. Tu vas avancer plus vite si tu double clic. Pas du tout. Hein. Attends-moi. Attends-moi. T'as vu ce qui est passé à côté mais de moi? Mais t'es relou. Attends-moi. Mais je peux pas, c'est pas moi qui décide. Andrew, où êtes-vous? T'es où? Bah je suis derrière. T'arrêtes derrière moi. T'as vu le truc passer, ok. T'es... Passe à côté de moi. Tu... Ouais. Attends-moi. Arrête d'appuyer, espèce de grosse cocole. T'as peur, hein? Ok, reste avec moi. Viens, c'est quoi ta part, Tarlouse? T'as que grosse pédale, moi. Tu sais pas que l'union fait la force? Viens, on va à gauche. Viens, on va à gauche. Ah qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est la petite fille. Viens. T'as pas vu la petite fille passer? Viens, on va à gauche, là. Merde, c'est Andrew, la petite fille, maléfique. Non, mais. Reste avec moi. C'est tout le monde qui décide. C'est là qu'elle veut aller. Mais c'est toi qui dirige, connard, ce va. Non, je suis en cinématique. Je viens de voir quelqu'un dans les bois. C'est la petite fille maléfique qui est là. Je veux pas y aller. C'est vrai? Non, je veux pas y aller. Le chauffeur du bus, peut-être. Je suis certaine d'avoir vu une enfant. Je veux pas y aller, Alexis. S'il y avait quelqu'un avec nous, ce n'est plus le cas. Je ne vois que là, des arbres. Je l'ai vu partir à la course. Je te dis que je l'ai vu. Je te jure, ça, on se fait attraper par allez, la vous deux. On doit rester proche. Je te jure. Regardez. T'as oh, vu Poule le sur ce, le live, on va se quitter ici. Bye. Non, 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 non. Oui. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça crie. Des ok, des c'est gagné. On a peur. On crie pas, Starbuck, c'est lui qui crie. Qui est là? Qui que vous soyez, ça n'a rien d'amusant. John, bordel. Où êtes-vous? Daniel, t'es là? Allez, John, où êtes-vous? Je trouve pas ça drôle. Oh bon, à plus assez. Ah, c'est avec moi, faut trouver les autres maintenant. Bravo, tu sais. Tu pouvais pas regarder où est-ce qu'il se partait. Hé, hey, attendez-nous. Starboss, t'es marrant. Quand tu joues à Phasmophobia, t'as agi un peu comme une gonzesse. Ah, attends. Attends, ici, ici. C'est bien là. Oh, non. Pied. Je peux y aller. Un hey. Cercle de sacrifice, ça c'était. J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien. Oh la poupée. Non, 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 non. Je touche pas. Je touche pas. Qui êtes-vous, monsieur? Tu l'avais vu avant, toi, en fait. Andrew. Andrew. Qui s'est regardé, fils? Madame? Star Wars t'a dit d'agir en homme. Et tu peux répondre, là? Mais qui es-tu, toi? Qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Je me nomme Marie. Je l'ai conçue de mes propres mains. Elle ressemble à celle que vous avez. Voulez-vous bien jouer avec moi? Venez jouer! Venez jouer avec moi! Quel tour joues-tu encore, Marie? Je ne joue aucun tour. Tiens ta langue! Je vois clair dans ton jeu, Marie. Le révérend Carver te portera moins d'affection quand il apprendra que tu ferais avec le démon. On dirait Silent Hill, le tweet, hein. Rémi, ne t'en va pas. Il y a des gens là-bas, près du feu. Quoi? Je ne vois aucun feu. C'est le chétan, ouais. Je les ai vus aussi. Est-ce que ça va? Il y a quelque chose qui va pas ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant c'est fini. Astéry qui met autant de temps à prendre une décision. Une petite fille a fait irruption dans la brume, et l'instant d'après, elle avait disparu. C'est une blague. Peut-être que la brume perturbe vos sens. On est tous à cran. C'est ça, à cran, oui.
J'ai vu une fillette danser juste là, comme je vous vois. La petite a dit qu'elle s'appelait Marie. C'était la même que la fille dans mes rêves, mais... elle avait une drôle de façon de parler, comme dans un film d'époque. C'est vrai, je me suis fait la même réflexion. Oh, mais dans quoi on s'est embarqué, là? Cette gosse, Marie, elle voulait te faire du mal? Elle était peut-être... mal intentionnée? Ta peau est brûlante. C'est la fillette qui t'a fait ça? On doit tous s'occuper d'Andrew. Ouais, elle m'a pas mis le feu déjà, c'est déjà pas mal. La douleur s'estompe. Et maintenant? Nous n'avons plus qu'à suivre la route jusqu'à la ville. Vous déconnez? Tu as une meilleure idée? Voilà. Roulant dans une galoche, la vieille. La la la. Eh bien, voilà qui commence plutôt fort, dites-moi. Oui. Tout ce que chacun fait ou ne fait pas dans sa vie finira toujours par le rattraper. Qu'en pensez-vous? Ne me regardez pas. En fait, le son du jeu, il est fort pour moi, Kat. Je sais pas comment ça se fait que... Je vous l'ai dit. Nous nous félicitons parfois, au moment de nous réveiller, d'un rêve troublé. Ce peut être le moment après la mort. Durant toutes ces années à voyager, j'ai été le témoin de scènes, de manifestations et de croyances, et il y avait souvent une part de vérité dans chacune d'elles. Ces pauvres gens semblent avoir affaire à des forces au caractère inexpliqué. C'est vrai, des mouvements sinistres dans la forêt, des esprits du passé et cette fillette qui a des ennuis. Il n'y a pas que des ennuis, la fillette, hein, à mon avis. Qu'elle ne les cause, ouais, ses ennuis. Je pense qu'elle les cause, moi, personnellement. Enfin bref, reprenons. Je suis d'avis de la tuer. Angela n'obtient que peu de confidences de la jeune femme. Oh, pas de petite cachotterie. Et ce bon John, notre figure d'autorité, peut-être? À moins, au fond, qu'il n'incarne autre chose. Et puis, il y a Andrew. Un peu confus, à mon avis. Sans choc à la tête, sans doute. Je vous rassure tout de suite. Vous avez contribué à des décisions qui se révéleront payantes. Et à d'autres qui pourraient s'avérer fort regrettables. Ah, ça, c'est acheté, ça. Dans le bar, il était loin d'être serviable, franchement impoli, n'ayons pas peur des mots. Il semblait être perturbé par quelque chose. C'est toi qui lui as dit qu'il était loin d'être serviable? Ah si. Il se passe des choses très étranges à Little Hope. Ah c'était? Et des âmes sont peut-être en péril. Retournez sur place. Tentez de dissiper la brume. C'est toi qui lui as dit qu'il était peu serviable? Le chauffeur à qui? De bus. Au gars dans le noir. Au gars dans le bar. Me semble que non. Peut-être, je sais plus. Ok, et ben tu sais quoi? Allez, du coup, quoi? Le live, on va se quitter sur ce pour... ça sera la première partie du coup de... comment il s'appelle, putain? The Dark Picture Anthology Little Hope. Et donc on se retrouve bien évidemment demain pour faire la suite. Puis voilà, je quoi. Je vais pister dessus. Exactement, on espère que vous avez apprécié cette première partie. Donc ils ont quand même... comme à chaque fois, ils ont corsé le jeu, quoi. Toujours au début de Dark Picture Anthology, il y a toujours tout le monde qui meurt, quoi. Donc là, on a vu la famille qui était morte, etc. Donc bon, bah voilà. Donc on saura la suite demain. Et puis on se retrouve direct après, du coup, sur du Watchdog Légion. Allez, à tout de suite. À tout de suite, les enfants.